Du 8 octobre au 2 novembre 2013, s'est tenue à Kribio, Cameroun, une formation de guide touristique en communication, sécourisme de base et sauvetage en mer. La formation s'inscrit dans le cadre du projet Compétitivité des filières de croissance, en abrégé PCFC. Le potentiel touristique du Cameroun est en un point douté énorme, seulement le secteur reste jusqu'ici très peu professionnel. Dans la perspective de doter les guides touristiques d'outils et techniques leur permettant d'agir en situation d'urgence sur les sites, s'est tenue depuis quelques jours à Kribi une formation en sécourisme de base et sauvetage en mer. Il est question à travers cette formation répartie en 3 modules de donner aux guides et personnels d'accueil les techniques de premier secours en lien avec les accidents répertoriés lors de l'exercice de leur activité. Comment peut-être descendre ici, aller là-bas, transporter quelqu'un sur une colline, monter sur un bancard, comment passer un autre obstacle, peut-être 2 arbres qui sont très collés. Ainsi, pendant près de 3 semaines, les apprenants venus des régions du littoral et du sud ont abordé les aspects sécuritaires et d'intervention avec un accent sur les cas d'arrêt cardiovasculaire, d'état de choc ou d'électrocution. La formation a également porté sur le transport des victimes et techniques de réanimation. La sécurité incendie est au menu. Un module consacré à la santé communautaire a été par la suite développé, ceci en liaison directe avec les maladies présentes dans le milieu. Cette formation, qui s'inscrit dans une dynamique gouvernementale de promotion du développement durable par la professionnalisation des secteurs de productivité, est offerte avec l'appui d'experts locaux à l'instar de Martial Gervais Odenbella. Notre mission consiste justement à renforcer les capacités des guides touristiques en vue qu'ils soient déjà capables d'évaluer les risques potentiels de chaque site touristique et pour évaluer les moyens de prévention, pouvoir mettre en place aussi un système de prévention de ces accidents. Le projet de compétitivité des filières de croissance que le gouvernement met en œuvre avec l'appui de la Banque mondiale devrait permettre de mettre à la disposition des parties prenantes des outils et de nouvelles opportunités de développement économique en conformité avec la vision stratégique du pays dont l'horizon est 2035 et le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. The forum is all about what? Rescuing, first aid study and rescuing, particularly at the sea. But it's not only at the sea, because what we have learned here, you can equally apply it at home while the tourists are here all over Cameroon. So it's something that's very, very important, because when I was coming, I'd had a bit of something in my mind concerning first aid. But here, I've been enlightened, I've been taught, and I know I'm going back fulfilled. Ce que nous avons appris depuis la formation m'a permis de pouvoir, si jamais je fais face à un cas, par exemple de quelqu'un dans un restaurant en train de manger et qui s'étouffe, je saurais déjà comment prévenir un risque de potentiel étouffement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ces leçons doivent être appliquées à l'ensemble de certains Camerounais qui peuvent accéder ou qui comprennent l'exercice de ce que cette formation prévoit faire comme citoyen plus tard. Donc, pour moi, il est question ici de permettre aux Camerounais, minimum Camerounais de classe moyenne, de pouvoir aussi accéder à cette formation. Donc j'encourage le PCFC à aller de plus en plus vers les populations afin que cette population bénéficie de cette formation qui est une formation.
dire. La main pour vous, la main pour la survie, parce que c'est vous-même qui permet de prendre la posture encore. Pas la peine et la douleur. Pas la joie et le bonheur. On peut avoir à la main, pas une aggravation. Donc, on passe. Give me that.